creuse, je viens. Entre tes reins. Ce soir, j'ai choisi de vous lire un extrait d'un roman de Françoise Sélac, Les affres de l'amour. Mathilde et Eric dans le hammam d'un club libertin. Nous poussâmes la porte du hammam. Aussitôt, un épais brouillard nous accueillit dans une pénombre où l'on pouvait à peine distinguer au fond un halo de lumière comme un phare dans la nuit. Nous avancions à tâtons en balayant les nuages de vapeur à grands gestes. On n'y voyait pas un mètre. J'avais envie de crier « Il y a quelqu'un ?» comme dans les films d'épouvante. Il était impossible de distinguer quoi que ce soit, ni de savoir s'il y avait déjà du monde à l'intérieur. Nous avancions vers cette lumière faiblarde que nous apercevions et qui nous guidait. Nous arrivâmes jusqu'à une petite place où trônait au centre un énorme Bouddha en pierre. Il crachait en continu de la vapeur par tous ses orifices. Autour, il y avait de longs bancs pour s'allonger. Il n'y avait manifestement personne d'autre que nous dans ce hammam. Eric s'allongea près d'une petite déesse en pierre, genre de divinité indienne, statuette comportant tous les attributs féminins exagérés. Elle avait une poitrine ronde aux sphères parfaites, avec des tétons pointus. Un petit ventre rond, des reins à la cambrure extrême, des fesses volumineuses et rebondies, des cuisses charnues et des chevilles graciles, et une longue natte qui serpentait le long de son corps. Eric s'étalait de tout son long sur ce banc. Je l'observais. Il me faisait penser à un captif consentant sur l'autel des sacrifiés, son corps abandonné aux caresses sulfureuses des brumes du hammam. Alors, je vins comme un souffle auprès de lui. Mes mains parcoururent son corps luisant. Je défie son paréo, son sexe en érection m'apparut comme un sémaphore au milieu de toute cette vapeur d'eau. Je contemplais son corps nu qui s'offrait à moi comme un défi et ce sexe si enjôleur. Je regardais Eric qui me regardait d'un œil profondément lascif. Il savait que je savais ce qu'il voulait. Il attendait docilement que la sorcière bienveillante de la brume commence le rituel du sacrifice. Alors, dans des gestes lents et appliqués, imprégnés du sacré de mon amour, je commençais ce rituel ancestral, cette messe noire dans les profondeurs d'un enfer vaporeux. J'étais cette sorcière enchanteresse, sans tabou, sans gris-gris, sans croyance particulière, la magie de la vie s'opérait mes mains. C'est ainsi qu'un homme et une femme allaient s'aimer à nouveau au milieu d'un brouillard épais et mystérieux.
Je vins près de lui, si près de lui, mon sexe près de sa bouche et ma bouche près de son sexe. Je le suçais et il me léchait. Nous nous laissions porter par ce flot de nos âmes mêlées, source enchantée et vibrant de cette fluidité de nous-mêmes. Langage à la soie onctueuse et divine. Emportés par tout cela, nous nous retrouvions plus tard, moi, en fougueuse amazone, fouettant de mes ailes battantes la brume, lui, en fier Adonis, accueillant l'étreinte prudente de ma chair. À califourchon sur lui, je m'empalais sur son pieu qui me transperçait dans un rythme infernal. Je chevauchais Eric dans des orgasmes profonds, tout en débitant d'une voix étranglée des cantiques ésotériques. Je jouissais en oubliant tout autour de moi. Peut-être que des yeux cachés dans toute cette vapeur nous observaient-ils. Tant pis. Que pourrions-nous voir au milieu de tout cela? Nos corps trempés se mouvaient dans cette ouate de chaleur humide. Eric, emporté par son désir fébrile, me prit par les hanches pour m'enfiler finalement dans la position de la levrette. Dans des mouvements frénétiques de sa queue, il battit généreusement ma croupe offerte. Dans des claquements sonores, il me baisait puissamment. L'amplitude de ses gestes et ses mains agrippées à mes fesses me faisait courber de plus belle pour recevoir sa décharge animale. Je m'abandonnais totalement à cette jouissance qui m'enflammait d'une sensation presque insoutenable de plaisir. Des cris s'échappaient de ma bouche. J'oubliais tout. Je m'ouvrais totalement à Eric, à ce plaisir inouï qui me traversait comme un nuage tonitruant. Je m'ouvrais totalement à Eric, à ce plaisir inouï qui me traversait comme un orage tonitruant. Nous nous aimâmes ainsi, jusqu'à épuisement total, jusqu'au bout de nous-mêmes. Jusqu'à ce que la dernière goutte de jouissance fasse trembler nos corps en surchauffe. Puis la faim, comme une mort, nous délivra. Nous avions, une fois de plus, explosé les limites du plaisir. Il me sembla n'avoir jamais joui aussi fort dans ma vie.